Oui. On peut t'aider. Oui. Il dit des mains sorcières. On peut t'aider. Oui. Après quoi? Je t'ai dit après quoi? De quoi? De quoi? De la sorcellerie. De la sorcellerie. Ça veut dire quoi de la sorcellerie? Ça veut dire quoi de la sorcellerie? Tu pratiques? Tu pratiques? Hein? Tu pratiques? Tu pratiques? Oh! On a un sac de théâtre ici? Oui, tu pratiques? Hein? Oui. Mais tu voulais jouer avec qui? Tu voulais jouer avec qui? Mais pourquoi tu vas laisser la société? Pourquoi tu vas laisser? Pourquoi toi tu ne vas pas laisser ça? Oh. Non mais la meilleure manière c'est de parler. Pourquoi tu vas laisser la société? C'est une bonne chose? Non. Mais tu es sorcier, tu te poses la question, je fais ça. Tu t'en es de partir. Je vais laisser, non? C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas la volonté de te débarrasser de ce démon. C'est moi qui t'ai ramené ici. Pour te dire ce qui allait te montrer tout de suite. Fallait me nier ça. Tu veux laisser? Qui t'a donné? Qui t'a donné? Tu es né à ça? Non. Qui t'a donné ça? Un monsieur. Comment ça s'appelle? J'avais un gars. Vous avez compris? Non, vous ne pouvez pas juger. Vous pouvez pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas notion, vous ne pouvez pas mettre la main sur ce sorcier. Et comment t'as donné ça? Comment t'as donné ça? Il a donné ça de Kwake. Kwake? Vous pouvez expliquer. Mais ça compte de vous, il ne peut pas parler. Quand il parle, vous criez. Monsieur, vous criez. Dans quoi que comment? Je ne sais pas si tu parles de quoi. Maintenant, je fais le salon avec lui. Il était là pour toi. Il était là, le salon. Il est qui pour toi? Je ne sais pas. Aïe. Mais tu l'as trouvé où? Il n'est pas chez nous. Il est là avec lui. Et puis, il a fait quoi? Je lui ai dit que je veux boire avec lui. Moi, il m'a donné du de quoi. Mmh. C'est ça, la nuit, il est venu me chercher. La nuit, il est venu te chercher. Mmh. Pour t'amener où? Dans un trou. Mmh. Et puis, il m'a amené la viande, j'ai mangé. Mmh. Pas le froid. Mmh. Et puis, il m'a dit. Oui. Il a tué mon papa. Tu es ton papa. Oui. Mm-hmm. Et ça, je lui ai dit. Il a fait la peine à papa. Hein? Quand je lui ai dit mon père, il a fait ma petite soeur. Mm-hmm. C'est ça. Je sais pas que. Le film ne peut pas se terminer comme ça. Tu sais? Tu ne peux pas laisser la société. Mmh. Non, le monsieur ne peut pas prendre ta soeur. Quand il t'a donné la viande, je suis en train de créer un livre, tout le monde le sait. Tu peux faire du pire, acheter des aveux. Ouais, ceci. Quand tu as donné la viande, ça y est, tu lui as donné. C'est toi qui as donné ta soeur. Tu vois ça? Mmh. Et quoi dire, c'est lui qui a pris ta soeur? Ça, on n'a pas besoin d'être prophète pour acheter des aveux. Pourquoi? Il a quel pouvoir? Si vous voulez prendre ta soeur, il allait prendre ta soeur sans ton avis. Il pourrait manger ta soeur sans ton avis. Mais il t'a initié, tu as mangé pour lui, tu dois donner. Et pour avoir droit à la parole, tu dois donner tes pains. Tu vois ça? Oui. Ton papa, il est où? Il a besoin. Tu l'attaches où? Tu as donné ça à qui? Ça vient à qui? Vous l'avez déjà mangé le 17 novembre passé. Hein? Il doit mourir le 2 février. C'est pas ce qu'il dit. Alors, non, je ne veux pas être délivré. Tu vois, je t'ai interpellé. Je ne peux pas te laisser partir. Hein. Je t'ai interpellé parce que la vie de ton papa est en danger. Pourquoi vous l'avez déjà mangé?
le 17 passé, là, il doit mourir le 2 février. Les gens disent envoyez-y pour que son âme soit libérée. Ta manière qui est partie de ton papa. Un pouvoir dans ton sexe, non? C'est ça? Hé, hey, un pouvoir dans ton sexe. Explique-moi. Explique, comment ça se manifeste? Vous êtes chaud, les petits fils, vos yeux brillent. Maman, ta cellulaire, lui. Monsieur Sumo. Elle va te faire manger. Garba et toi. Là, il m'ouvre, là, je suis sans nom unique. Tu peux m'appeler à chaque heure. Jusqu'à être un pas par pas. Allô, elle sort. À n'importe quelle heure, l'appel à son clôture. Ce qu'elle va te montrer. Tu n'as pas dit tes yeux, là. Ça brille. Tu as quel pouvoir dans ton sexe? Le pouvoir de quoi? D'avoir le sexe masculin. Ah. Comment tu fais? C'est pour ça qu'il y a déjà beaucoup qui ont hémorroïdes. Il est plein de coco. Asseyez-vous. Il veut quoi? Elle veut quoi? Elle veut quoi? Hein? C'est toi qui as dit de venir. C'est toi qui as dit. Laisse les gens venir. Non, non, ne mettez pas la pression, les gens. Non, c'est comme si on les. Non, non. Ici, on est libre. Bon, maintenant, tu as toute la journée pour expliquer. Tu as toute la journée pour bien m'expliquer ta mort. N'obligez pas les gens, c'est une question de volonté, d'être délivré à ce monde. C'est parce qu'elle, son père en danger, c'est vrai que je l'ai interpellé rapidement, parce qu'elle sait que si son père ne meurt pas, c'est pas la place. Elle est convaincue, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas parler. C'est comme ça. C'est pas ça? C'est pas ça? Si on le délivre, tu meurs, non? Donc on va signer ton visa. On va prêter le dette privé, donner le visa. Si tu non. Hein? Ah, tu tues pas. Ah, soit qui l'a tué? C'est pas mort. T'as pas tué. Et au fait, eux, banalisent ça. Mais ça leur dit rien. Sans état d'âme. Et ça, c'est rien chez eux. Mais c'est rien. Quand tu dis bonjour, tu vois un cabri, ben. Bonjour maman, lui il voit un cabri, elle voit un cabri en toi. Tu as un pouvoir de sexe, un sexe masculin. Très plutôt. Tu as celui-là. Sinon, tu as un numéro mou. Nos limites. Et l'important quand on ne ferme pas les murs. Comment tu fais sexe? Hein? J'ai pas de matrice. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Qu'est-ce que tu fais ça? Je peux coucher avec les gens. 15 ans. Ah, ce que tu aimes, tu as expliqué beaucoup de choses. Hein? Tu prends pour coucher les gens que toi tu aimes. Ça veut dire quoi? Dans la rue, tu vois quelqu'un, un joli garçon. On a expliqué. Mes amis. Tes camarades. Femmes. La nuit, tu te déguises. Et puis tu vas coucher. Mais comment tu arrives à rentrer dans la maison des filles?
Amouche. Amouche. Oui. Et tu fais comment? Et puis j'en vais à la maison. Aujourd'hui, je vais homme. Quand tu es dans la maison, tu te rends en mouche. Et quand tu rentres, tu deviens homme. Oui. Et puis tu fais quoi? Et puis je tape ma vie. Mm-hmm. Et ça sort. Tu l'as déjà dit, pas? Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de vous aider. Moi, je pose des questions bizarres. Pardonnez. Hmm? Je l'ai déjà dit. Et puis, elle ne se rend pas compte. Je l'ai déjà dit. Hmm. Hein? Et puis, je suis avec toi. Combien de fois la nuit? Pardonnez, hein? C'est fini le travail. Mm-hmm. Chez les enfants, seulement il y a des grandes personnes. Tu fais les enfants? Mm-hmm. Les grandes personnes. Mm-hmm. Ils vont dans la maison. Les femmes mariées, souvent. Mm-hmm. Même les femmes mariées. Mm-hmm. Et le mari à côté. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu fais au mari? Tu dis, joue ton orchestre. Il va commencer à ronfler. Brr, brr, brr. On dit orchestre de Nyaru, Nyaru, Nini. Comment tu peux être couché avec sa femme et toi tu couches avec elle? Elle a couché avec son mari, toi tu couches. Je vais expliquer. Tu es bisexuel alors, tu es. Tu fais homme et femme. Oui. Ah. C'est dangereux, hein? Ça cache, mais quand tu couches avec la femme, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu prends? Je pense que c'est ta mère. Qu'est-ce que toi? C'est pourquoi tu ne voulais pas aller pleurer. Pourquoi tu ne voulais pas parler? Pourquoi? Parce que je cherche ma moitié aujourd'hui. Hein quoi? Je cherche ma moitié aujourd'hui. Ah. Si jamais je parle, je vais me. Le chien t'a mordu où? 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 Et où ça? Et ici? Oui, dans ton rêve. Juste les sorciers. Les sorciers, quand tu dis ici, il ne faut pas parler. Oui. Hein? Oui. Et si tu parles, tu vas mourir. Oui. Mmh. Donc, tu arrives-tu de parler? Tu reconnais que ce que tu dis est vrai? Oui. Donc, tu veux quitter la confrérie? Oui. Je suis sûr. Oui. Dis-moi encore les choses que tu n'as pas connues. Je fais que mon copain ne peut pas se marier. Hmm? Je fais une personne que mon copain ne peut pas vivre avec une femme. Une femme, oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait? Je fais que je n'aime pas son fils. Il est un fils qui ne l'aime pas. Ton frère? Oui. Il n'aime pas. Mmh. Tu as fait comment? Je ne pense pas que j'apprends de son fils. Je fais des tests pour qu'il ressent la haine pour lui. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il ressent la haine? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Hey, c'est pas de l'élément.
Vous m'avez changé de pensée. Oui, mais il t'a fait quoi? Vous voulez parler? Pas de parler. On va les micros là. Vous êtes enfant, plutôt enfant, vous êtes sorcier. C'est sorcier. Non. Quoi? Hein? Hein? Ah, la vie de ta maman. Elle est où? Hein? Mais elle est où? Sa maman est là. C'est ta chère et propre manière à Garba. Ta maman. Tu fais quoi? Hein? Il dit la nuit, elle la mange. Elle peut parler. Elle peut parler. Dégagez, 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 dégagez. Dégagez. C'est vous qui participez à la société. Dégagez, dégagez. Dégagez, s'il vous plaît. Elle peut parler. Oui. Quoi ça? Quoi ça? La nuit, tu manges sa viande. Et dans la journée. Vous comprenez très bien ce qu'il a dit. Dans la journée, mange ses pieds. Voilà, il m'a dit deux fois. Hein? Il faut parler oui. Comme un homme intelligent. Tu entends les jouer à nous pourquoi? Oui. Non, non. C'est pas toi qui arrache les arbres. Ah, tu étais contre lui, il n'y avait pas. C'est malade, vous êtes chauffé de quoi? C'est toi qui manges sa chair. Tu manges. Et pourquoi? Toi, t'as parlé hier, non? C'est toi qui as tué ce bien. Et toi? Monsieur ma camarade, qui s'appelle ta vie, monsieur. C'est ma grande et sa maman. Allez, grand-mère. Pour le moment, il fait ma, mon arrêt, grand-mère. Quand la nuit, je me suis transformée, on s'est pas, on s'est parti là-bas. La nuit, maintenant, il est parlé, il a dit son nom. Que ton âme m'appartient. Je suis parti. Pendant qu'on est transformé, mon temps. Arrivé là-bas, il a tué. Il a mangé la tête et puis le cœur. Il a été basé, mais c'est un transformant comme un serpent. Il est transformé. Pendant que tu veux tuer, tu te transformes en serpent. Il est transformé. À quel âge? 9 ans. Il est à 15 ans, c'est grave. Et puis. Vas-y, merci, merci pour ce matin, il est parlé son nom, il dit vas-y, merci, merci, ton âme m'a passé. Et il s'est parti pendant ton, le poisson, le mouton. Il a mangé la tête et puis le cœur. J'aime ça, tête et cœur. Et puis, il dit que non, maman, elle n'a pas été heureuse. Maman, vous ne pouvez pas être heureuse. Il a dit qu'elle va pas se marier et qu'elle va pas avoir la maison. Et qu'elle va pas travailler. Qu'elle sortira pour le plus avec elle. Alors, comment tu fais?
Ah, c'est un phénomène, hein? C'est en train de prendre chaque famille et chaque maison. Comment tu fais? Toi, si tu fais ça, même, tu vois, on va pas avoir de problème. C'est la vérité, il faut dire ça à la fille. Son âge de 9 ans, elle sait comment on couche avec quelqu'un. Tu sais qu'on a fait coucher avec quelqu'un. Tu sais ça? Je te demande. Tu couches avec ta maman? Oui. Hein? Sa maman est là. Vous dormez dans le même lit. Le matin, mon bébé vient déjeuner. Elle est devant chez lui. Il n'est plus déjà la nuit. C'est un moment. Tu ne veux pas qu'elle soit heureuse. Je viens d'expliquer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai joué avec quelqu'un. Dis-moi, c'est un moment. Il était bien là-bas. Maintenant, il y a certaines choses que l'on ne peut pas passer. Non, il était juste à moi. Comment non, 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 non. Je ne vais pas répondre à la question. Il était juste à maman. Tu voulais marier ta maman. Oui. Tu l'as emmerdé un peu. Oui. C'est ça? C'est ça. Oui, il n'y a pas la. Non, il n'y a pas la. Il dit bonsoir, tu es orange, bonjour. Son maître m'a dit bonjour. Son patron est messager. Il demande si le patron est messager. Pas si messager, mais. Je ne crois plus le coup. Je ne réponds pas. C'est toi qui fais ça. Et si elle est mariée, ça fait quoi? Il n'arrange pas. Ah oui, oui, oui. C'est ta femme, c'est jalouse. C'est jalouse. C'est jalouse. Oui. Et... Ça veut dire que tu n'aimes pas ça. C'est un vrai mari. Ça fait quoi, quoi? J'ai gâté son argent. Il y avait un pas. C'est moins fait que le pas marche plus. Que si l'argent va sa mère, ça va pas finir. J'ai gâté la vie de mon papa. Et puis, j'ai mis une fête à ce cours pour se célébrer dans cette fille. Les gens qui fument maintenant, il y a fête à ce qu'il dans son pied. Oui, j'ai mis dans cette fille. Et c'est moi qui ai traité avec plus de sa soeur. Il y avait une boule. Et quand j'ai pris l'huile, j'ai massé la. La boule a disparu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'huile a fait disparaître. C'est ça? La boule qui était dans le sein. L'huile a fait disparaître la boule qui est dans ton sein. Oui. C'est tout? Oui. Je
pas la manger. Je voulais la manger. En janvier, là, bien. En janvier. Et puis, quand je suis partie dans le monde, ils ont dit que avant que janvier parle, là, maman, papa va janvier. Et elle va mourir. Et ils ont dit. Et puis ils ont dit que non. Papa, maman va être heureuse aussi. Tu en as déjà entendu? Tu es désarmé. Comment? Tu es désarmé. Désarmé. Je comprends pas avec ça. Je suis désarmé. On va prier, tu vas voir, ils ont dit. Regardez la vie de mon papa. Il est où? 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 Avant, on était là-bas. Maintenant, il fait que aussi, ça peut le faire. Et puis. Mais quand tu dis qu'ils ne sont pas heureux là, tu fais comment? Ils ne sont pas heureux. Ah, il fait. Je parle. Tu dis quoi? J'ai dit, mon papa, pourquoi il va être heureux dans sa vie? Et puis, un jour, j'étais montée ici, j'ai une moto. Maintenant, la moto, j'étais tombée, mais là, c'était cette personne. Maintenant, j'ai pris. Comment t'as fait, il est tombé en moto? Je suis venu, non. Oui. Donc tu ne dors pas la nuit, tu fais ça aussi les nuits. Non, c'était dans la journée. Non, la nuit tu dors. Mm-mm. Comment tu t'envoles? Oui. Tu fais ça aussi les nuits. Oui, mon âme quitte. Comment ça fait? Ça fait comment? Ça sort. Comment? Vers les 2 heures. Maintenant, un jour, maman était. Ça va ou quand ça sort? Ça va dans le monde là. Elle a mangé. Oui. Bon, tu vas laisser ta maman. Tu n'es pas heureuse. Je ne suis pas heureuse, non. C'est ce qu'il a dit. On peut rentrer. C'est le sorcier. C'est le sorcier. Oui. Hey, t'appelles le micro pourquoi? C'est moi qui t'envoie ici. C'est moi qui t'envoie devant ici. C'est le sorcier. Oui. Qui t'a donné? Merci. Qui t'a donné? Qui t'a donné? Personne. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Il y a un micro qui met ta tête. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Oui. Hein? Tu pleures pourquoi? Tu veux pas qu'on te délivre? Hein? Va réfléchir. Tu vas parler. Il faut tourner ton volant. Et puis tu pleures. Va réfléchir. Non. Moi, je ne veux pas te délivrer. Va réfléchir. Tu pleures. Hein? Pourquoi tu coules les larmes? Qui l'a frappé? Personne. Non, tu ne veux pas. Tu es sorcier. Qui t'a donné? Personne. Elle est née avec. Mais tu pleures pourquoi? Oui. Comme il n'y a rien, va t'asseoir. On ne peut pas prier pour quelqu'un, parler à quelqu'un qui pleure. C'est ça? Va t'asseoir. Hein? Je ne veux pas prier. Hein? Mais tu coules encore les larmes? Tu as fait quoi, sorcellerie? Tu as fait quoi, ça?
Mm-hmm. Comment tu fais? Quand je te regarde, mm-hmm. et puis je te regarde jusqu'à un certain moment où tu me regardes aussi, et puis j'en ai mes yeux sur toi. Maintenant, je te regarde encore, et puis tu me regardes. Mm-hmm. Si tu me regardes, ça veut dire que là, ce que je voulais de toi, c'est passé. Non. Hé, on discute ici. Moi, il n'ai rien, mais il n'ai rien ici de tout ce que tu as. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Mineur. Regarde-moi, il t'a regardé. Quand tu regardes, quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Je te regarde. Et puis, tu tournes toutes tes yeux pour me regarder. Tu me regardes, puis je regarde comme ça? Non. Tu me regardes comme ça. Et puis moi, si je vois que tu me regardes comme ça. Ouais, toi, tu regardes comme ça, oui. Si je te regarde encore. Mmh, tu me regardes comme ça. Mmh. Si tu me regardes, ça veut dire que ce que je voulais de toi, c'est passé. Ce que tu voulais de moi, c'est passé. Ce que tu voulais de moi, c'est passé. Mmh. Si je voulais te faire du mal, je t'ai déjà fait. Faire du mal, ça veut dire quoi? Quand tu regardes quelqu'un, tu as envie de faire du mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Donc, pour t'envoyer des regards, tu peux tuer quelqu'un. Mais je vais tuer quelqu'un. Faire du mal, ça veut dire quoi? Faire du mal, ça veut dire tuer quelqu'un. C'est ça le théâtre ici. Explique quoi. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu as envie de faire, tu sais, je sais ce que tu as pu faire. Hein? Je te laisse parler. Donc, je n'ai pas envie de parler à ta place. C'est pour ça que je te laisse le temps de venir. Je peux vous poser la question. Tu as fait quoi avec société? Depuis que tu es sorcière, quels sont les gens que tu as gâtés? Mmh. J'ai tué. Et on te force. Oui. Comme tu vas réfléchir, tu vas là, à t'asseoir. Hein? Non. Faut parler bien, bien. Mm-hmm. Hein? On va te forcer. Hein? Tu as tué combien de personnes? J'ai tué une personne. Tu es malade. Toi, tu as tué une personne. Tu as tué, ça fait deux fois, tu as tué une personne. C'est une personne que tu as tué. Hein? Non. Hein? Non. Donc tu es joué à nous. Tu as quand même. J'ai tué deux personnes. Où est les parents? Il y a quelqu'un. Tu as tué 11 personnes.